Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne. Ah, si vous aviez entendu ma réaction quand j'ai vu ça. Bon, j'avais oublié que j'avais plus rien en cours de construction. Là, c'est bizarre d'ailleurs. Mais je me suis dit, waouh, un solde de 700, 800 000. Qu'est-ce donc? Comment se fait-ce? Bon, effectivement, non, j'ai juste oublié de lancer. Des fabrications. On est en rate d'électricité encore. Eh bien, on va en faire. On va en faire. Oui, en plus, il y a de l'habitant qui est dispo. Enfin, il y a de la population dispo qui n'a pas de métier. C'est quoi ça? Ok. Allez, on va dans un premier temps, comme je vous dis là. On va lancer des fabrications sur les endroits dont on a besoin. Ouais, là, je pense que ça, c'est nécessaire. À béquet, je peux en faire un peu. Hop là, on va rajouter 20. Encore du verre, non mais c'est fou ça. Ah, c'est vrai que j'en avais lancé ici. Ah ouais, non mais. J'ai plus personne. C'est fou. Il y a une demande là en comment on appelle ça, en produit qui est absolument faramineuse. Hop, en plus je vois que voilà, tout n'est pas bien fait. Là, ça c'est normal. Ça faudra que je change tout ça. Ouais, ça changerait. Je mettrais. Ah, c'est vrai qu'on avait. Ouais, non. Oula, non, 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 non. On avait décidé de partir sur. Pénurie de téléphone. Ah, ça affiche comme ça maintenant. Ouais, non, mais pas pénurie de téléphone. On avait décidé de partir sur un truc bien. Ah, zut, comment ça s'appelle? Sur une autocratie de type ordre. Non, je suis pas dans. Je suis pas dans civilisation, là. Comment on appelle ça? Je l'ai sur le bout de la langue, mais. Mais un peu trop loin le bout de la langue, c'est dommage. Mais bon, vous avez compris le principe. En gros, tout géré par l'État, des entreprises d'État, etc. Pour pas être embêté par les autres. Hop. On a fait quelques conquêtes, donc forcément on a besoin de tout replacer. Je vais pouvoir relancer d'ailleurs, c'est vrai que là on avait une rébellion à juguler. Pec, impec, impec. Caserne, ah ouais. Oh, on a retiré de siège, ça c'est bien, il me semble pas que je l'avais avant. On va tout passer comme ça. Les belligérants. Je sais même pas pourquoi. Ah, c'est vrai qu'on pouvait plus. Quelle idée. Ok, on a refait quelques constructions. Quoi, c'est tout? Ah non, j'ai 3 pages. Pourquoi j'ai que. C'est bizarre ça. Je n'ai aucune en attente. Bon, bah, on va en refaire d'autres. Écoutez. Bon, les lézards. Oh la vache. Les Académies des Arts là. On refait en Franconie. Hein, Hop, je vais mettre ça. C'est quoi? Voilà, on va leur en faire 100. Là, s'ils ont pas assez de tableaux, de trucs comme ça, là, eh ben qu'ils aillent se faire shampouiner, comme il dit. Comme il dit l'autre. J'ai un petit besoin de plomb, enfin petit. J'ai un sacré besoin de plomb plutôt. Ah ouais, j'en ai deux à la fois. Ouais. Ok. Par contre, du plomb, c'est bien, mais. Ah si, je peux en faire là, ça va. On va pouvoir rajouter 15 ici, ça devrait être bon. La Suède nous a mis sous embargo, on s'en fout. Oui, donc pour la mise à jour, je me suis vite fait renseigner. J'ai vu qu'ils avaient fait aucune trad en français. J'ai la flemme de lire. J'ai la flemme de lire en anglais. Mais grosso modo, ouais, en fait, j'ai vu que c'était 4-5 mises à jour qui sont toutes foutues d'un coup sur ma partie. ce qui explique le temps de chargement lors de la partie, lors de l'épisode d'avant, en fait. Juste avant que vous voyez le début du rush, j'ai dû attendre genre une dizaine de minutes.
Le temps de chargement, c'était infect. Alors, ok. Là, c'est bon. Là, c'est en train de le faire. Là, c'est en galère. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, on a annexé. On a annexé les petits territoires. Enfin, on avait commencé à annexer les petits territoires. Enfin, les petits territoires. Ouais, les différents territoires, quoi. On avait pris la Lituanie. On avait pris la Serbie. La Bosnie aussi, ouais. Je peux pas encore aller chercher eux. Le Modène, ça viendra bien assez vite. Pour aller chercher la Belgique. Hier, je suis en train de voir. Non, c'est bon. Enfin, je m'occupe du Brésil aussi, mais là, bon, Europe en priorité, histoire d'avoir un bon gros territoire. La Tripolitaine, c'est vrai que tout ça. Non, mais je vais essayer de laisser faire la France et la République britannique pour les colonies ici. J'irai chercher un peu en dernier tout ça. Comme ça, ils auront conquis l'Afrique et. J'aurais plus grand chose à faire. Ok, les deux, c'est bon. Alors, j'annexe avant que il y ait corps des radicalistes. Voilà, moi j'ai pas besoin d'envoyer 50 milliards de troupes. Envoyer deux petits. Ça fait quand même penser à. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. L'un de vos états ou états dans un théâtre ennemi? Quand le général avance sur un front dans lequel le théâtre ennemi contient un objectif stratégique, il aura tendance à avancer. Oh! Ah, c'est bien ça! C'est pas mal! Est-ce que tu peux zoom plus particulièrement? Non, d'accord, ça va juste être sur un état particulier. Ouais, donc en gros, ça va dire. Enfin, ça va dire en gros aux généraux. Aller à cet endroit. Enfin, prioriser un trajet vers cet endroit. Vers. Et précisément, du coup, c'est une région. Oh. Ouais, même, tu peux les diviser en deux. Attends, quoi? Du sud et du nord. Ah non, voilà. C'est vrai, tu peux prioriser, on va dire, une cible dans la cible. Donc on va dire que la cible, c'est comme au tir à l'arc, vous avez la cible, la grosse cible, voilà, avec les différents points. Tout ça, c'est la cible principale, imaginons, là, c'est l'Occitanie. Non, oui, c'est l'Occitanie. La cible au tir à l'arc, c'est l'Occitanie. Mais vous essayez de faire 10 points, et 10 points, bah, ça va être... c'est une bonne question. C'est quoi, c'est Toulouse hein? C'est, je suppose, la capitale d'Occitanie. Ils ont foutu où ça? Bah. Ils ont foutu où le truc avec la capitale? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont changé ça aussi. Mais non. Marché, non. Non. Non plus. On voit plus les capitales de... C'est super, ça. On peut pas voir... Ça commence à être embêtant, ça. Non, parce qu'avant, vous pouvez voir... la capitale affichée, là. Les gars, arrêtez de tout changer d'une mise à jour à l'autre, genre. Bon, oh la vache, la taille de Perpignan par rapport à Toulouse, quoi? T'as pas me dire que c'est Perpignan Parce que même là, je peux plus voir la capitale. Bon, je sais que c'est Paris ici, ça va, mais. Oui, mais la population. Ok. Bah on saura plus les capitales, dommage. Faudrait que je recherche d'ailleurs, si un de vous le sait, n'hésitez pas à me le dire.
Faible accès au marché. Oh la frise. Oh. C'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Donc on a les fusils à verrou, en grille centrale on va rajouter. Donc là ça nous permet de créer, enfin ça nous a débloqué je crois une nouvelle, un nouveau type de production. Hop, on va faire ça. Ce qui fait que si je vais dans bâtiment urbain, ici, déjà on va faire ça. Oui, je mets tout au max. Hein. De toute façon, c'est subventionné normalement. Ouais, je vois que c'était pas totalement subventionné partout. On va vérifier que tout est bien subventionné, même dans. Sur les voies ferrées, ouais, voilà, c'est bon. Et ici, je suppose que ça c'est bon. Ok, tout ça c'est parfait. Parfait, parfait. Ok, là on déclare sa neutralité. On a bien fait de les jarter. Hein. Parce que là ils sont encore en révolution et bon, c'est un peu embêtant. Ça me très embêtant. La Bulgarie, la Bulgarie, la Bulgarie, ça j'en sais rien. J'ai plus assez d'influence. Ok. Caoutchouc, ok. Agriculture inefficace, c'est ça nos objectifs, arrête de m'énerver. Voyons voir, est-ce qu'il y a une réforme à faire? Non. Ouais, ça, ça commence. Mais j'étais persuadé d'avoir vu des nouvelles lois. Alors, c'est peut-être pour la bêta. Ah, ça doit être la bêta. C'est bien, on n'a aucun contrôle. Ok, c'est quoi ça, Mexique? Ouf. Mexique, États-Unis, bon, comme d'hab. Cette époque. Bon, le PIB qui remonte un petit peu, mais c'est toujours pas ça. Ouais, bon, voilà, les radicaux, tu m'étonnes, ils sont. Bon, comment ça, là? J'ai zéro ici, moi. On va pas laisser des fronts vite, quand même. Je voulais voir aussi, oui, j'avais totalement zappé, armée, recruter un général. Là, je vois que, hop, ici, je peux. Junker, il est bien. Là. Et au niveau du Rhin... Ouf, il est blessé, mais il est vraiment pas mal, lui. Hein. Prudent, expert en demande d'approvisionnement, explorateur, planificateur, offensif, expert. Bon, le pauvre, il est blessé, mais c'est pas très grave. Hop là, allez. On va les promouvoir un ou deux coups. Hop là, ça c'est bon. Il n'y a qu'un seul état, Si, les Illioniennes aussi qu'il faudrait que j'aille chercher. Ouais, je vais aller chercher les Illioniennes, hein, parce que bon, pour ça... La Shanti, ouais. Ça passe pas très vite, hein. Wagé. Il se passe, là. Ah, mais c'est bien, là, s'il y en a un qui pouvait prendre... Oh mais non! Mais non! Mulligan. Oh, la vache! Bon. On va devoir envoyer quelques troupes. Ça nous ralentit encore tout ça. Oula, Sumatra et tout. Mais attends, mais ça... Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Pas interdite.
Non, l'orangey. On va aller à Orangey, mais on va pas faire d'exception pour toi. Ah oui, c'est vrai que c'est j'ai les académies là. Hein. En pleine production. Alors, c'est multilatéral, ouais. Voilà, donc déjà, on a annexé la Valachie, ça c'est bien. Allez, hop, on fait ça comme d'hab. Et je peux pas relancer une nouvelle conquête à cause de la révolte. Voilà. C'est fou quand même, ils ont des plantations, mais ah bah si, non, ça me paraît pas si débile que ça en fait. Enfin, selon le type de plantation, ça me paraît pas si bête que ça. Ok, ok, oui, oui, oui. Si, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. On subventionne. Usine à papier. Chaîne de montage, oh là là, c'est fou. Ouais, j'aurais peut-être plus vite fait de les supprimer. Plutôt que tout changer là, ouais. Prochaine fois, ça peut être pensé. Ouais, je m'en fiche. Ok, il n'y a pas moyen d'accélérer là. Hop. Ouais, non, je peux pas. Bon, au moins, normalement, ça devrait être rapide. Ah, on est contre personne. Quoi? Bah... Quand même, enfin... Colonisation de Nouvelle-Guinée orientale. Super, ça. C'est quoi ça? Réinitialiser les méthodes de production des bâtiments pour correspondre aux normes nationales les plus courantes. Intéressant ça, en plus ça met ouais bon grosso modo c'est pas bizarre. Non ça non. Parce que les fabriques de navires là tout ça, non c'est pas bon. Ça ouais. Là aussi. Ah c'est super intéressant. Ok. Ah mais attends, c'est. Ça c'est pratique pour le coup. Ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté et qui est vachement pratique, je trouve. Ça me permet de gagner un peu de temps. On en parlait il y a un instant, et bah... Bon, là, je peux... Là, je peux pas, parce que c'est les chantiers navaux que j'ai besoin, justement, de production différée. Enfin, un peu différée... différente. En freeze, j'avais pas lancé. Hein. Oh, par contre, ça bug, là. Wow. Allô, le jeu? Oh la vache. Ah mais le vert, ça, c'est vraiment un problème. Il va falloir un troisième pôle de construction. Hein. Je vais le mettre là. Hein. Ah mais non, j'ai la scie ici. Je peux le mettre ici. Ouais, en plus j'ai de la population. Excusez-moi, c'est ce que je vais faire. Allez, hop. On va mettre 30 voies ferrées. Et je vais me construire 45 usines de verre. Là. Normalement, ils sont plus censés trop en manquer. Bon, là ça avance. Ça avance, mais doucement. Hein. Surtout qu'on voit plus les...
Oh, paramètres de message. Les gars, je peux mettre pause. Ah voilà. Oh. Alors. Non mais les mecs. Regardez-moi. Non mais. Y'a pas un truc genre temps avant machin. Alors, regardez tout ce qu'il y a quoi. Faire un traitement auteur pour une rêve. Cette rêve on dit mieux, je m'en fous. Hein. Bon, on va en profiter, voilà, pendant qu'on a un soulèvement indo-oriental néerlandais. Paysan indo-oriental néerlandais, c'est dur à dire. Tout ce qui est déplacement de généraux, là, je vais les retirer. Voilà. Aucun. Ça, je m'en fiche. Nouvelle option culturelle. Ah ouais, il y a peu ça. Il peut y avoir, je veux dire. Hop là, ok. Puis ouais, je les changerai au fur et à mesure où je verrai qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Bon, on peut enfin faire quelque chose nous-mêmes. Magnifique. Voyons voir qui c'est que je peux aller chercher. Je peux annexer la Modène. Elle avait eu une révolte. Il n'y a pas longtemps, la Modène. Ça nous avait un peu embêté. Ah, ça fait perdre du temps, hein, comme d'hab, quoi. Reste radicaliste. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai essayé hein, de les. J'ai regardé pour essayer de les annexer, mais ça n'a pas. Et là, ça n'a pas voulu. On est en trêve. Hein. Avec un certain temps avec eux, c'est pas grave. Ouais, révolution en Himalaya. Ok, non, mais moi le modèle, j'ai bien fait. Mais le problème là, c'est que je sais pas si je vais gagner que un territoire ou la moitié du territoire en fait. Purée, c'est pareil ça. Ça va être une bonne question. Voyons voir. Ajouter libéré par à nos exigences principales. Hein? Ah! Ok. Là, je peux pas en rajouter. Moi, j'aimerais bien. C'est pas annexé que je voudrais plus, quoi. C'est dommage. Ça. Je m'en fiche. Et ça. Ouais. Donc en gros, je veux conquérir la Modène qui vient de se diviser en deux et on sait pas comment ça va fonctionner. Ah, il y avait les îles Ioniennes aussi que je voulais aller chercher. Ah, c'est compliqué tout ça. Bon, au moins, malgré ce bazar, il y a Malte. Okay. Malgré ce bazar, on a de la chance, c'est que les groupes ici, pour l'instant, ne sont pas en révolution ou en quoi que ce soit. Parce que là, ce serait un peu plus embêtant. Bon, j'ai fait pas mal de verre, là. Ok.
J'ai besoin de produire plus d'outils. Vraiment beaucoup plus d'outils apparemment. Oui, merci. Ok, ouais, tout ce qui est rivalité, neutralité. Les intérêts aussi, ça je m'en fiche. Très grand nombre d'intérêts, ouais. Excommunication, soutien, argent. Ok, ah ça met déjà en pause pendant ce temps-là, mince. Bon, voilà, ça devrait être fait rapidement. La graisse, c'est fait. Ah non, pas encore. Et les îles de la mer Égée. La Modène. C'est un sacré mer. Voilà. Le plomb, c'était mieux, mais c'est pas encore ça, apparemment. Où est-ce que j'étais allé en chercher? Ah bah tiens, on va aller utiliser le plomb ici. Ok, purée, regardez, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Ah la vache. Ça n'a pas pris en entier, pourquoi? Parce qu'il a eu une... Non, ça c'est moche par contre. Ça je suis pas d'accord. Ah, c'est libéré en plus. Ah ouais. Non mais comment... Moi c'est... Oui, non, bah vas-y, pas de problème. Ok. C'est absurde. C'est absurde. Je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez pour le coup, mais... Prendre la Modène... Enfin, déclarer la guerre aux Modènes pour prendre son territoire. Il y a une sécession Modène, donc je prends que la moitié du territoire. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Enfin, j'ai jamais vu ce. C'est... Enfin. Dites-moi si ça s'est déjà vraiment passé en, dans la réalité, parce que là. Là, ça a été des génies les mecs qui ont fait ça. Hein. Putain. Ah ouais, là, faut les embaucher direct, hein, ceux qui ont pensé à ça. Hein. Ah parce que là vraiment il y a du potentiel dans la connerie. Migration de masse, ok. On va aller chercher la Suisse, la Belgique, les îles Ioniennes on avait dit. Ok. Alors, est-ce que... Parce que eux là ça fait je sais pas combien de fois. Non je peux pas. Eux. Je peux pas conquérir l'État là ? Ah non, je peux pas conquérir. Allez, Luc. Je peux pas non plus. Voilà. Je peux au niveau de la Bulgarie. On va annexer de suite. Allez, on va envoyer du monde. Voilà. Ça devrait suffire, on va pas faire plus. Pas plus haut que le bord, comme on dit. Ok, ça pareil, je peux retirer. Non, ça c'est intéressant, ça. Voilà. Intérêt. Sujet, coût diplomatique.
ça c'est tellement rare que c'est bon, c'est pas un problème. Voilà, déjà on n'aura plus les... On n'aura plus tout ça. On a gagné un peu d'influence. Ça c'est bien. On expulse les diplomates, voilà. On est en 90, ça veut dire qu'il reste 46 ans pour conquérir l'ensemble de la carte. Ça va être compliqué. Hein. Trop de petits pays pour l'instant. Et trop de révolutions. Ce serait bien que là, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, ils forment la Scandinavie, là, au bout d'un moment, non? Hein? Ce sera plus facile à prendre. Bon, la frise. Oui. Hop, ici. Voilà. Oui, ça c'est pas bien grave. Ok, on a dévoré une nouvelle techno. Oui, on va voir sur quoi je vais partir maintenant, parce que là je suis vraiment une grosse avance à ce niveau là, ça me sert pas à grand chose. Ce serait peut-être intéressant que je parte sur d'autres technologies. Condensateur électrique, machine à coudre électrique, métier à tisser, mécanique automatique, ouais. Électrolyse de saumure pour les usines chimiques. Chemin de fer électrique, ah bah oui, pas bien. Non bah c'est bon, c'est... Chemin de fer électrique, quoi. Ah bah j'arrive pas à cliquer ça. Hop, voilà. On a besoin d'un peu plus d'électricité. Voilà. Oh, la vitesse! Oh, vous avez vu là le vrrr. Oh. Ah ouais. Non mais efficace hein. Ah ouais, c'est propre. Ah bah je pensais pas que ce serait aussi rapide que ça. Ah bah voilà, c'est... Je le dirais ça là. Bon, ouais, c'est propre. La vitesse à laquelle c'est allé. Impressionnant. Ah, je m'attendais pas là, je m'attendais pas à ça clairement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il faudrait que j'aille chercher. Gabon. Oh, ça c'est bien ça. C'est quoi ça? Congo, ah oui. Mais c'est devenu un pays ça ou c'est... Ah ouais, oui, ils sont devenus un pays en part entière en fait. C'est même pas colonisable. C'est marrant ça. Ils se sont fait... ils se sont fait relâcher par la République britannique. Enfin, ils ont réussi à trouver leur indépendance. Ils sont devenus un vrai pays alors qu'à la base c'était... Ah, je sais pas. Ah, j'ai le doute maintenant. Non, je crois que c'était pas considéré comme un vrai pays, mais comme un territoire à coloniser. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Hein. Et quoi en Suisse? Allez voir. Bonjour la Suisse. Combien êtes-vous? Petit PIB, petite population, 3 millions quand même. Ce sera toujours ça de prix. En Belgique. 6, ah ouais. Ah, c'est pas mal ça aussi. On va aller sur les îles Ioniennes, non? Ioniennes, Grèce. J'aimerais bien aller dans ce coin-là quand même. Hop, ça c'est bientôt fini. Voilà. Et je peux pas... Ah si, voilà, je peux annexer. Apparemment, j'ai l'impression, alors, je me trompe peut-être, mais qu'à partir du moment où il y a une révolte, une révolution, au moins une tentative,
qu'on peut annexer le sujet directement. Bah, je vais en profiter. Clairement, je vais en profiter. Parce que ça fait déjà deux fois, je crois, qu'ils ont tenté de faire une révolte. Ouais, ça c'est bien ça. Ok, voilà. Et... Ouais. Voilà. Vraiment ceux-là où on va... On va pas toucher à cela, quoi. On va envoyer des troupes. Les Lyoniennes soutiennent la Grèce. Oh bah ça c'est parfait, je voulais les deux. Faire... Donc conquérir l'État, simplement. Les Lyoniennes. J'en avais besoin. Ils sont gentiment venus. Puis là je vais faire une invasion. Ah, c'est dommage, on peut pas prévoir une invasion navale. Hop là, c'est quoi ça? Ok. Ouh! Mais attends, je peux pas l'aider lui? Est-ce que ça reste mon état client, l'Empire Ottoman? Enfin, mon protectorat? Ou l'équivalent, mon fantoche? Quelque chose comme ça? Il devrait plus l'aider. Alors. Île du Sud, quand c'est épuisé. En fait, quand on a plus, on a encore. C'est ça qui est génial. Et ça. Aotea, roi. Ok. Il y a Tidor ici, il faudrait que j'aille. Voilà, tous les petits pays là. Tellement, il y en a tellement. Oh non! Oh mais non, pourquoi encore? Ah, je sais pas si je vais avoir droit, entre guillemets, droit à une troisième. Comment on appelle ça? Un troisième printemps des peuples, ce serait un peu embêtant. Parce que bon, trois quand même. Hein? Purée, ouais, c'est la dèche en production de moteur là. Oh la vache, oui. Hop là, hein. Allez, on va faire 20 voies ferrées. Voilà, on va augmenter à fond notre production de moteurs. Forcément, on a des fantoches hein, qui consomment ce qu'on va produire. À notre marché, bah, on est loin d'être seul. Ouais, très loin d'être seul. Je vois que j'ai des marchés. Westphalie. Dalmatie, c'est en train de se faire. Et la Saxe. Hop là. On récolte un NB. Dépense gouvernementale 96 500. C'est pas donné. Hein. Vache. Ok, on va prendre normalement les deux territoires, ça c'est bien. Capacité d'imposition pardon, insuffisante. Hop, on va faire. Des administrations gouvernementales, ça tombe bien, on est un petit peu juste au niveau de la bureaucratie. Faut dire qu'il y a énormément d'habitants qui viennent. Voilà, là ça conquit tranquille ou pilou. Alors on va voir. Ah non, c'est ça que je voulais voir. Ouais, 110 contre 46 quoi. 50, allez. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour eux quoi. Ouais, elles feront avec les Lyoniennes, mais bon, il n'y a, a plus personne dessus. On va aller au cas où. Hop, coucou. Ah, intéressant. On peut prendre des troupes maintenant, mais pas que de la même... Parce qu'avant, imaginons qu'on avait notre... notre port, nos ports, on va dire. Là, sur ce QG. Je sais pas si je peux voir, voilà. Imaginons qu'en dans le QG Italie, on avait nos ports et... donc notre amiral, on est obligé de prendre une armée terrestre qui faisait partie de ce QG d'Italie. Là, apparemment, on a le choix maintenant de prendre sur n'importe quel QG. C'est pas mal. C'est un peu plus logique. Bon, peut-être moyennant un malus de bonus.
Alors, faut suivre. En gros, imaginons que tu as un entraînement qui se fait avec les troupes locales, forcément, un peu plus. Qui sont avec les troupes du même QG qui peuvent faire des entraînements de débarquement et pas avec les troupes d'un autre QG, par exemple, un QG qui est que terrestre. Peut-être avoir un peu plus de problèmes avec cette question de débarquement. Mais en soi, c'est pas déconnant, n'importe qui peut le faire. Invasion réussie, ok. Ah, y a personne en plus. Oh bah, parfait. Allez, colonisation. Colonie du Niger. Comment? Où ça? J'ai vu qu'ils avaient fait une colonie au Niger, mais. C'est pas le Niger là, c'est l'Acre. Bon, pourquoi pas? Là, c'est en train de se faire, ça résiste bien. Voilà, Corinthe est tombée. On va descendre tranquillou sur ce parti ici. Voilà, comme ça on aura toute la Grèce, même avec les îles Ioniennes. Ça c'était en train de se faire, il me semble, là, les voies ferrées. Par contre, oh. Ok, imposé à la Grèce, assez bien, et les îles Ioniennes, ça serait tardé. Oui, ça aussi c'est en train de se faire. Tac, tac, tac. Impeccable. On a pas grand chose ici. Hein. Ouais, c'est normal en même temps. Baniser l'Allemagne réussi avant du changement. Ah, c'est bien. Plus de loyalistes, c'est bien parce que peut-être aussi de radicaux, c'est normal. Hein, c'est les piquants qui ne peuvent pas y faire grand chose. Hop, ça c'est bon. On incorpore et on va arrêter l'épisode ici. Alors, on va juste faire ça. Voilà. Et ben écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. On a bien commencé à unir toute cette tout, on va dire, le sud d'Europe. Bon, il y a eu un petit loupé au niveau de Modène. Voilà. Notre prochaine cible. J'hésite entre l'Occitanie. On pourrait aller sur la Pologne aussi. Et tout ça, on peut. Il n'y a pas un autre pays qui fait des révolutions et qui nous appelle à l'aide. Ah si, il y a lui aussi. On pourrait annexer, mais c'est un peu loin. Je me tâte. Et le royaume de Mériena aussi. Ça faudrait aller chercher, mais un peu plus tard. Bon, notre prochaine cible. On va rester en Europe, je pense. Hein, voilà. Ouais. Et on verra ça dans le prochain épisode de demain ou après-demain. Hein. Ça dépendra. Je sais plus. Je sais pas si c'est l'épisode de mardi ou de jeudi. Je crois que ça doit être l'épisode de jeudi. On verra. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. C'était Tiob. Ciao.